Good morning, Aleidan Nefus. Aujourd'hui, la Lunishma, Janine Ruth, Bad Fortune, Mazal Fritna, Léa Chayabat Mazal Tov, Lucienne Batraina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions Maserhet Gitin, Perek, Hei, Mishnah, Chet. Ve Elu, Amru, Mipene, Ve le Dvarim Shamru, Amru, Mipene, Derke Shalom. Kohen, Kore Rishon, Vacharav Levi, Vacharav Israel, Mipene, Derke Shalom. Me'arvin, Bebait, Yashan, Mipene, Derke Shalom. Bor shu karov la ama mitmale rishon mipnei derke shalom. Metsudot chaya veofot dagim yesh bem shum gezel mipnei derke shalom. Rabbi Yossi omer gezel gamur. Metsiat chereshot evekatan yesh ben mishum gezel mipnei derke shalom. Rabbi Yossi omer gezel gamur. Ania menakef berosh hazait. Ma shetachtav gezel mipnei derke shalom. Rabbi Yossi omer gezel gamur. En memanchin beyad ani egoim. On a ici 7 cas de figure que Chachamim ont décrété. Mipnei Darke Shalom. C'est-à-dire pour le bien-être, la paix de tous, qu'il n'y ait pas des conflits stupides. Ils ont fixé un ordre de choses, comme on va découvrir. Le tout premier, c'est Velo Dvarim Amru Mipnei Darke Shalom. Telles sont les choses que Chachamim ont instaurées. Mipnei Darke Shalom. Pour les chemins de la paix, qui est la bonne entente entre tout le monde, que tout le monde réside en paix. On a fait des choses qui étaient relativement logiques, même si elles n'étaient pas forcées. Et voilà. Le premier, c'est Kohen, Kore Rishon, Vacharav Levi, Vacharav Israël, Mipnei Derke Shalom. Lorsqu'on ouvre le Sefer Torah, alors d'abord, on invite le Kohen à lire le premier, après le Levi, après le Israël. Pourquoi on donne le... Alors, selon la Torah, vous savez qu'il faut toujours sanctifier le Kohen, le Kidashto, il faut lui donner honneur. À tout celui qui est Kohen, il faut lui donner honneur. Maintenant, donc en théorie d'abord, à chaque fois qu'on a quelque chose à faire, on a un Birkat Hamazon à faire, on va donner le Zimun à faire au Kohen. On a un Sefer Torah, une mitzvah à faire monter des gens, on fait monter le Kohen. Maintenant, le Kohen est en droit de dire non, je préfère que vous ordonniez telle personne ou telle personne. Il a tout à fait le droit, s'il veut, de céder son droit. On doit le respecter, on doit le sanctifier, mais lui, il a le droit aussi de donner à d'autres personnes. Pour monter à la Torah, ça nous a posé des problèmes. On se serait retrouvé avec des problèmes de politique et de conflit que le Kohen sans arrêt donne à monter à ce voisin et pas à ce voisin, et l'autre voisin, il en a. Il commence à avoir l'orgueil qui est chatouillé, et puis... Alors du coup, Rami, moi, souvent, dit non. On va faire que le premier qui monte à la Torah, c'est le Kohen. Le deuxième, c'est le Lévi, le troisième, c'est le... On commence seulement à partir du troisième pour l'Israël. Donc déjà, on n'est plus dans c'est qui le premier qui est monté. C'est bon, on n'est plus tellement aiguisé, pointilleux sur ces petits détails-là, puisque de toute façon, déjà le Kohen et puis ensuite le Lévi qui sont déjà montés. Il faut savoir, ça rapporte dans le Bar Tanoura, selon la Halakha. En théorie, le Kohen a quand même le droit de renoncer pour donner un Talmid Chacham de monter. Mais malgré tout, le minag, il a été annulé, comme il rapporte le Bar Tanoura, qu'on fait monter le Kohen, quoi qu'il arrive, on ne fait jamais monter à la place du Kohen quelqu'un d'autre. Deuxième décret, pour Derke Shalom, mais Arvin Bebait Yashan, Mipenei Derke Shalom. Lorsqu'on doit faire le Hérouv, on ne va pas entrer dans les détails de Hérouv et Chatserot, on a déjà tué Maserhet Hérouvin de toute façon, donc lorsqu'on doit faire le Hérouv, poser le Hérouv normalement pour un Hérouv Chatserot, on doit normalement le poser dans une maison de tous les gens qui habitent dans le coin. Par exemple, si on est dans une cour, on a 5 maisons, on doit décider désigner une maison où on va le mettre. Une fois qu'on a commencé à s'habituer à mettre un Hérouv dans une maison, on n'a plus le droit de le changer, de le mettre ailleurs, à cause de Darke Shalom. Pour la bonne entente, plus précisément, de peur qu'il y a des gens qui vont venir me dire « Ah, le Hérouv, normalement, il faut laisser le Hérouv en évidence, pour qu'on puisse le voir. » Le Hérouv de Chatserot, c'est de la nourriture qu'on mange. Ouais, on met un pain et on met un plat avec, et on les pose, et ils doivent être posés en évidence aux yeux de tous. Et si jamais on ne va plus le mettre à la même place, il y a des gens qui vont passer qui vont dire « Ah, ils n'ont pas fait le Hérouv » ou « Oh, les habitants de la maison, ils avaient trop faim aujourd'hui, ils ont mangé le Hérouv, donc on ne peut plus porter. » Ça va commencer à poser des problèmes, on a dit « Écoute-moi, le Hérouv, on laisse les choses à leur place sans les bouger. » Troisième décret. « Bor shu karov la ama mitmane rishon mipneder keshalom » À l'époque, avant qu'il y ait les canalisations pour apporter l'eau, alors on avait quand même quelques techniques qui consistaient à prendre de la rivière, on creusait un petit canal,
Et l'eau comme ça, l'eau arrivait jusqu'au champ. Et lorsqu'elle arrive dans les canaux, ensuite, on avait l'usage aussi de creuser des borottes, ça s'appelle des puits, ou de creuser des piscines, en fait, où on stockait l'eau aussi, parce que si on devait sonder sans arrêt sur le fleuve, alors on en aura peut-être en hiver, mais pas en été. Donc du coup, on apportait l'eau et on irriguait l'eau, on la portait dans les champs, et on remplissait aussi des réserves d'eau. OK? Lorsque la saison des pluies démarre, alors maintenant vont commencer les conflits. Chacun veut de l'eau chez soi. On a le premier qui dit, bah attends, laisse-moi me remplir, et puis après ça arrive chez toi, ouais, ça fait plusieurs mètres. Et... Donc, ramène-moi un soir, écoute-moi, il a fallu instaurer un ordre. D'abord le premier qui est le plus proche, il remplit, après le deuxième, après le troisième. Et ça, c'est de nouveau une punaise de cachalot. Alors on aurait pu faire le contraire, on a préféré faire dans le sens. Il a fallu fixer une convention et en adopter celle-là. Mais ce troisième et quatrième maintenant, c'est mes sodot raya vofa de dagim ben mishum gezel mifne darke shalom. Les pièges, les filets des animaux sauvages, des oiseaux ou des poissons, celui qui va prendre de ces filets, il transgresse un vol de midrabanan à cause de darke shalom. Et Rabbi Yossi Omer nous dit que c'est un gezel gamour. On va expliquer de quoi on parle. Que concrètement, pour acquérir un objet selon la Torah, il faut soit que je l'acquière en le soulevant, en le faisant en meshicha, agba'a, le simple fait qu'il soit entré en contact avec moi, qu'il soit entré dans mon filet. Alors, il peut y avoir des fois qu'il y a une khatser, parce que les choses qui entrent dans mes objets m'appartiennent. C'est une halakha spéciale, c'est midin kinyan khatser. Comme je peux acquérir les choses en les posant dans mon champ, dans ma propriété, je peux aussi acquérir aussi les choses qui entrent sur mes ustensiles. Mais pour qu'ils rentrent dans mes ustensiles, il faut qu'ils soient même pris dans mes ustensiles, en l'occurrence. Imaginez que j'ai eu un piège où j'ai mis un bout de bois où il y a un oiseau qui vient, qui se colle la patte et qui ne peut plus décoller. Je ne l'ai pas acquis avec le bout de bois, il n'y a pas ici de Kyan Khatser, il n'est pas vraiment, il n'est pas posé entièrement sur mon Khatser. Ou encore, je ne sais pas avec un filet concrètement comment ça se passe, j'ai un petit doute sur la question, mais imaginez encore toutes sortes de pièges où j'ai creusé un piège par exemple où l'animal va tomber dans le parterre, il ne m'appartient pas. J'ai créé un attrape-souris, enfin le même principe. D'accord? Toutes sortes de pièges où l'animal va s'attraper et que je ne pourrais pas l'acquérir, Minatora. Rachabim m'a assuré que malgré tout, il est acquis à lui, Midera-Banane, celui qui vient qui le prend, il transgresse un interdit de Gezel, Midera-Banane, à cause de Darke Shalom. Viens Rabbi Yossi, il m'a dit non, Gezel Gamour. L'Agma explique que Rabbi Yossi pense même aussi que c'est Gezel Gamour, Midera-Banane. Alors quelle est la différence? C'est instauré par les Rabbanan, c'est instauré d'après les Rabbanan. La différence sera celui qui est venu comprendre. Est-ce qu'on va le forcer à rendre? Selon Chachamim, on ne le force pas à rendre. Parce que c'est juste pour le bien-être, pour le bon fonctionnement. T'as volé, c'est moche, c'est dommage, tu vas perdre au change parce que tu crois qu'aujourd'hui, demain tu gagnes, demain ça va se transformer avec l'autre qui va te rendre encore plus fort. Mais en tout cas, c'est juste Mipnei Darkei Shalom, on ne va pas imposer de rendre, selon Rabbi aussi, il faut rendre. Je sais plus, on était au quatrième, cinquième, j'imagine. Maintenant, on a Metsiat, de nouveau cas. Metsiat Resh, cinquième, logiquement. Mais si à très acheté avec Atan, Yesh Ben Mishum Gezel Mipne Darke Shalom, lorsqu'un enfant, ou un sourd, ou un fou, trouve un objet et le lève, selon la Torah, il n'a pas de date pour être connu, on a déjà évoqué la question, le problème dans la mission précédente, il n'a pas de date pour acquérir, donc il n'acquiert pas. Rami Moussa, celui qui vient, qui le prend, il transgresse un interdit de Gezel de Darke Shalom. Parce que concrètement, c'est déjà dans sa position, il est dans son domaine. Ça va arriver incessamment sous peu à son père, ou à son frère, ou à son tuteur. Et dans ce cas-là, Rabbi Yossi Omer, tu n'as pas le droit d'aller lui prendre. Mipnei Darkei Shalom. Et Rabbi Yossi vient de nouveau, il nous dit Gezel Gamour, c'est du vrai vol, mais que Midera Banan. Mais on va imposer de lui rendre, de le restituer. Sixième, donc, si mes calculs sont bons. Ani Amenakef Berosh Azait. Machet Artav Gezel. De même, on a maintenant. On va parler maintenant de partir chercher, cueillir le Leket Shicha Opea. Les quêtes PA précisément. Il y a lorsqu'on arrive les périodes de la cueillette ou des moissons alors on a un devoir de laisser un 60e du champ qu'on laisse pour les pauvres, qu'eux viennent et se servent. Chaque chose selon son usage. Je ne dois pas cueillir moi pour eux. C'est-à-dire si jamais j'ai des plantations de. Pas tous les fruits sont imposables. On aura Bezrat Hashem bientôt l'occasion de confiner un Nashim, je pense qu'on fera sur Mosraïm. On aura l'occasion de plus découvrir dans les détails. Mais parmi les fruits, pas tous les fruits sont imposables de PA. Il y a des règles précisément. Il faut que ce soit la cueillette de tous en même temps. Il y a des choses qu'on garde pour stocker, pas qu'il y ait des choses qui brûlent. Bon, les pommes ne sont pas incluses, j'imagine. Il y a
Donc je reprends. On est dans la cueillette des olives, je dois laisser des oliviers. Maintenant, l'olivier, donc maintenant les pauvres arrivent dans mon champ, je leur dis, ouais, la PA est là-bas dans le coin, allez chercher la PA. Ils montent, maintenant ils arrivent, il y a des arbres, donc il faut monter sur l'arbre. On va se retrouver avec maintenant, comment on fait pour cueillir? Vous savez, on monte pas avec les sacs et on cueille, on met dans les sacs, parce que c'est sympa pour monter, mais après pour descendre, comment on va faire? Ça va être trop lourd, on risque de tomber. Alors qu'est-ce qu'on avait fait? On faisait, c'est très simple. On mettait des filets en dessous, par exemple, et on faisait tomber les olives. Mais on montait tout simplement, on faisait tomber toutes les olives, et une fois qu'elles étaient par terre, on les ramassait. Le problème, il est que lorsqu'on fait la cueillette, et qu'on est tous des pauvres, et que dans ce cas-là, tant que t'as pas acquis, eh ben, les autres peuvent venir prendre. Donc là, il y a le problème. Tu vas monter en haut, tu vas faire tomber tes olives, celui qui est en bas, il va dire merci, il prend, il s'en va. C'est pas juste, c'est pas beau. Chachamim m'ont instauré que le pauvre qui est Ani Amenakef Berosh Hazait, le pauvre qui est Menakef, qui fait tomber les olives depuis en haut, sur du haut des oliviers, alors celui qui va lui prendre ses olives, il transgresse un interdit de Gezel Mipne Darke Shalom. À cause de Darke Shalom. De nouveau, et Rabbi Yossi va de nouveau venir nous dire Gezel Gamour, c'est un vrai vol, mais il dira banane que c'est celui qui apprend une prison de l'ordre. Et dernier cas, c'est En Memanchin Beyad Aniye Goim Beleket ou Beshicha ou Bepea, Mepne Darke Shalom. La Torah l'a imposé de laisser le Leket Shicha ou Bepea pour les pauvres juifs, entre frères, c'est de l'entraide entre frères. On n'a pas le devoir envers les goïms. Alors du coup, ça aurait pu créer des graves tensions avec les goïms. C'est quoi les juifs? Vous pensez qu'à vous? Aujourd'hui, on a la main forte. On peut se diriger, tant pis pour les goïms. Demain, on va se retrouver à Khazushalor en exil chez eux. Ils ne vont pas hésiter à se venger. Pour chaque coup, on donnait 10 fois plus. Comme malheureusement, l'histoire l'a prouvé constamment. Alors du coup, Khamim ont instauré, écoute-moi, les goïms, on va leur donner, parmi toutes les matanotes, tous les dons qu'on doit faire aux pauvres, les goïms aussi, s'ils viennent réclament, on leur donne aussi, on n'est pas obligé de leur donner avec hidour rave, on ne va pas faire, mais malgré tout, on leur donne un petit quelque chose, on les, pas là pour le PA, la PA, on les laisse venir chercher, les ketchikha au PA, les différents dons qu'il faut laisser aux pauvres dans les champs, on laisse aussi les goïms rentrer, mais pnei derke shalom, pour le bon fonctionnement, et les règles de paix avec les voisins, résider en paix avec ses voisins, et donc c'est mieux derke shalom, et aussi, selon le même principe aussi, on doit nous aussi nourrir les goïms avant les fêtes et tout ça, si jamais, de nouveau, pas Behidur Rav, c'est-à-dire quand tu vas faire de la zaka à ton frère juif pour Pessah, donne-lui une belle somme, t'as un pauvre gars qui te donne, sors-lui quelque chose qui va le satisfaire, qui va avoir un petit sourire, c'est toujours mieux. D'accord? Et ça c'est Mipnei Derkei Shalom. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Vesela.